In this lesson, we will see together les figures de style, but more precisely, we will see la métaphore. So, the first thing that we should define is les figures de style. What are we talking about? In the French language, as in any language, there are numerous figures of style also known as figure de style or figure de rhétorique these figures of speech are used to enhance the expressiveness imagery and impact of language in both spoken and written communication These figures of style are used by writers and speakers to add depth, imagery, emphasis, and rhetorical flair to their language. And it makes their expressions more engaging and memorable. So, this lesson is about. La métaphore. A metaphor is a figure of speech that compares two unrelated things by stating that one is the other, often to create a vivid and imaginative description. Metaphors are used to add depth and richness to language, allowing readers to see familiar things in new and creative ways so we will see some examples with la métaphore les étoiles scintillent comme des diamants dans le ciel éclairant notre chemin vers l'infini les étoiles scintillent comme des diamants dans le ciel éclairant notre chemin vers l'infini Son rire est une mélodie enchantresse qui danse dans l'air emportant tous nos soucis. Son rire est une mélodie enchantresse qui danse dans l'air emportant tous nos soucis. Le temps est un voleur silencieux qui nous dérobe les moments précieux de la vie. Le temps est un voleur silencieux qui nous dérobe les moments précieux de la vie. Les vagues de la mer sont les soupirs de la terre exprimant sa joie et sa tristesse. Les vagues de la mer sont les soupirs de la terre exprimant sa joie et sa tristesse. Son sourire est un rayon de soleil qui réchauffe même les journées les plus sombres. Son sourire est un rayon de soleil qui réchauffe même les journées les plus sombres. L'amour est un jardin secret où chaque fleur cache un doux mystère. L'amour est un jardin secret où chaque fleur cache un doux mystère.